Le journal des sports. Le dernier match de la 15e journée de Ligue 1 entre Monaco et le PSG a donc été reporté face aux intempéries dans le sud-est du pays. En revanche, les autres rencontres de ce dimanche ont été maintenues. Il y en avait deux. Victoire de Rennes face à Saint-Etienne 2-1 et de Nantes contre Toulouse sur le même score. Au classement, Paris reste seul en tête devant Marseille, Angers, Montpellier et Bordeaux, alors qu'en bas de tableau, Dijon, Nîmes et Toulouse sont dans la zone rouge. En top 14, Toulouse s'est largement imposé ce dimanche au terme de la 10e journée de championnat. Victoire contre Bayonne 45-10. Avec le bonus offensif en prime, les Toulousains sont 5e au classement, derrière Montpellier, Clermont, Bordeaux, Bègles et Lyon, tandis que le Stade français est bon dernier. Enfin la Formule 1 avec le tout dernier Grand Prix de la saison dimanche sur le circuit d'Abu Dhabi et la victoire de Lewis Hamilton qui a devancé Max Verstappen et Charles Leclerc, déjà assuré d'être champion du monde pour la 7e fois. Le pilote britannique signe là sa 11e victoire de la saison. Le français Pierre Gasly lui a été accroché à l'arrière et a fini à l'avant-dernière place, tandis que l'autre français Romain Grosjean termine 15e. Le journal des sports.